Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Katia, je suis professeure de Pilates et coach de vie. Aujourd'hui, je te propose un cours qui va durer maximum 20 minutes avec un gros ballon. Notre focus, ça va être les abdos, tension en profondeur, toujours en Pilates. On va commencer assis au bout du tapis, si tu utilises un tapis. Fais attention avec les chaussettes, ça peut glisser. Pousse la tête contre le main contre la tête et allonge la colonne vertébrale. Inspire dans le poumon et en expirant, bascule le bassin vers l'arrière, coccyx vient vers l'avant. Inspire, couvre légèrement le dos et en soufflant, crosse le ventre, cherche à éloigner le ventre, le pubis, les hanches. Inspire, encore deux fois, crosse le ventre et enroule. Bas du dos. Encore deux fois, réveillez les muscles profonds du ventre. À chaque fois, en expirant, tu cherches à avoir le ventre plus plat et plus large. Toujours auto-grandissement. Bascule le bassin vers l'avant et puis tu vas commencer à marcher avec les pieds en continuant. Bascule le bassin vers l'arrière en enroulant la colonne vertébrale et tu t'arrêtes quand tu ressens les omoplates, pointe des omoplates sur le ballon. Relâche les fessiers, inspire et en expirant le même mouvement, crosse le ventre, contracte le ventre et les fessiers sous les fessiers. Inspire et sous, crosse le ventre, presse les talons vers le tapis, encore deux fois. Et la dernière fois, crosse le ventre et garde le bassin neutre. Inspire, fais expansion du dos. Enveloppe le ballon avec la colonne en expirant, remonte et presse les côtes flottantes vers le ballon. Encore 4. Inspire et souffle. Presse le ventre vers le ballon, le coude reste là. Encore 3. Expire, monte. Inspire, descend. Encore 2. La dernière fois. Et deux en même temps. La tête descend, le bassin reste en bas. Et en expirant, on roule le bas du dos, donc le bassin, et soulève les épaules, crosse le ventre. Fais comme une grande C, forme de grande C, entre le bassin et la tête. Inspire et souffle. Encore 4. Encore 3. Dernière fois, et reste en haut. Allonge la nuque et tire les bras. Presse constamment le ventre, les côtes flottantes vers le ballon. Les épaules restent larges et commence à faire le battement. 100, 2, 3, 4, 5. Inspire. Et tu cherches à stabiliser le ballon. Expire, crosse le ventre. Encore 2, 3, 4, 5. Inspire. Et souffle. Presse le ventre vers le ballon. Encore. 5, 2, 3, 4, 5. Inspire. Et souffle. Vide. Le ventre vide le poumon. La force vient du haut du dos, dans le bras. Ce n'est pas les bandes de moi. La force, encore 20. Et souffle. La dernière fois. Et tire le dos, ouvre les clavicules et tire le ventre, allonge les jambes, inspire et en expirant, ouvre le bras, monte vers le sternum et plie les jambes. Encore 4, allonge les jambes, fais extension du dos et en soufflant, monte vers le sternum et remonte. Encore 3,
pousse la tête contre le mât et laisse les bras lourds dans la cage thoracique. Side to side. Donc, tu vas incliner le buste. Inspire, allonge la taille, up and over, par-dessus la taille et reviens vers le bleu. Inspire, allonge. Garde deux fessiers contractés. Donc, monte sur tes fessiers. Pousse les pieds au sol. Et reviens encore. 3. Up and over, par-dessus la taille. Encore une fois de chaque côté. Et tire la taille, passe par-dessus la taille. La dernière fois. Et reviens vers le milieu. Serre les jambes. Le bras sur les côtés, le bras reste dans le champ visuel. Contracte les fessiers, allonge la colonne vertébrale. Imagine-toi que tu repousses quelque chose avec des triceps. Inspire. Et en soufflant, allonge une jambe et plie la jambe. Donc, creuse le ventre pour allonger la jambe. Et plie. Encore 3. Autograndissement. Des ischios connectés. Encore une fois de chaque côté. Et la dernière fois. Gardez les jambes fléchies, baissez les bras et à nouveau, marchez avec vos pieds et on allonge la colonne vertébrale, marche avec les pieds, on roule le bassin bas de dos, milieu de dos et reste sur le point des omoplates. On va travailler des obliques, donc pousse le ballon vers le mur qui est plus loin d'écran et tourne vers moi. Inspire, milieu et souffle. Creuse le ventre et cherche, tourne la cage thoracique. Inspire et souffle. Cherche, roule sur le ballon. Et reviens. Encore 4. Encore 3. Encore 2 fois. Et la dernière fois. Reste en milieu. Et place-toi en position accroupie. Les talons ensemble, le bras le long du corps, le bras long. Inspire et quand tu souffles, allonge les jambes. Et plie les jambes. Venir un peu plus vers le milieu. Pousse le dos contre le ballon et allonge. Et remonte. Allonge. Et plie. Encore. 3. Et plie. Encore 2. Presse le ventre vers le ballon. Ouh. Et la dernière fois. Garde les jambes allongées. Monte les bras. Tu peux ouvrir les jambes si tu sens que c'est vraiment trop difficile pour l'équilibre. Et remonte. Encore 2. Enroule la colonne vertébrale autour du ballon. Je vais regarder le plafond pour ne pas perdre l'équilibre. Encore 2 fois. Et la dernière fois. Extension du dos. Et creuse le ventre. Plie les jambes et tu vas t'asseoir sur les tapis. Fais demi-tour et pose les mollets sur le ballon. Ouvre la place sur ton tapis, déroule la colonne et pose, presse les mollets sur le ballon. Le bras le long du corps, le bassin neutre. Inspire et quand tu souffles, soulève le bassin, contracte les fessiers. Étire les bras, étire les jambes. Inspire et quand tu souffles, pousse les bras au sol. Connecte le ventre et soulève la jambe gauche et baisse l'autre jambe. Lève et baisse. Les deux jambes sont très très longues. Lève et baisse la jambe. Encore 2. Utilise le ventre pour stabiliser, pour protéger le bas du dos. Super. Et déroule la gorge. Laisse-le au milieu du dos, bas du dos, fessiers à la fin.
Pose les pieds à plat sur le ballon. Tire sur les bras. Sans bouger le ballon, on roule la colonne. Pubis remonte. Montez. Allongez les jambes. Déroulez la colonne. Cet exercice semi-circle sur reformer peut faire avec le grand ballon. Et ramenez, montez, pubis, articulez la colonne vertébrale, allongez vos jambes et déroulez la gauche, la cage thoracique, milieu du dos, bas du dos. Et la dernière fois dans ce sens-là, pubis, lève les fessiers, allongez et déroulez la colonne. Une vertèbre à la fois, l'autre sens, allonge d'abord. Mon pubis, lève les fessiers, vertèbre par vertèbre. Plie les jambes, soulève le bassin. Et déroule la colonne vertébrale au sol. Encore deux. Allonge. Mobilise la colonne. Plie, lève le bassin. Déroule la colonne. C'est la dernière fois. Allonge. Monte. Plie. Et déroule. Déroule, déroule. Super. Tu vas attraper le ballon avec les pieds et presse plus avec les talons qu'avec les orteils. Soulève la tête, les coudes restent lâches, lower lift. Presse le ballon avec ton bassin, avec tes ischios, plus qu'avec les pieds. Inspire, essouffle, baisse les jambes, remonte. Encore 4. Et remonte. Garde le ventre à l'intérieur. Encore 2. Expire. Inspire. Monte. Encore une fois. Super. Reste avec les jambes en haut. Les bras sur les côtés ou en plus proche de l'angle du corps. Soulève la hanche droite quand tu twistes. À la gauche, tic-toc. Et reviens vers le milieu. Et twist. Et déroule. Encore 4. Donc le bassin bouge. Mais la cage thoracique reste stable, en tout cas, ceinture scapulaire, les épaules restent stables au sol. Encore une fois, de chaque côté. Et la dernière fois. Et pliez les jambes. Posez les pieds, les talons sur le ballon. Les pieds en vide, fait pilates. Montez les bras. Inspirez en soufflant, remontez. Grandissez-vous, essoufflez, étirez vos jambes et déroulez la colonne. Inspirez, ouvrez le grand cercle. Une bonne progression pour arriver pour le vrai teaser. Les jambes restent longues, le ventre s'éloigne des pieds. Encore une fois. Creusez le ventre. Et la dernière fois. Ouvrez les bras et remontez. Restez en haut, ouvrez les jambes, grandissez-vous, inspirez en soufflant, enroulez la colonne, spine straight forward, étirez et déroulez. Pressez le ballon avec vos omoplates, avec les triceps, pas avec les épaules. Inspirez, grandissez-vous en soufflant, enroulez, enroulez, enroulez. Inspirez encore deux fois, soufflez, enroulez, creusez le ventre. Et déroulez, c'est la dernière fois. Et remontez. Très bien, placez-vous à genoux, debout, face au ballon. Les jambes écartées, largeur des hanches. Donc vous avez distance d'un point entre vos genoux à peu près. Pressez les tibias au sol. Fermez les poings droits solides, ouvrez les clavicules et roulez le ballon en gardant le dos parfaitement plat. Donc vous inclinez à partir des genoux. Inspirez, soufflez, grandissez, remontez. C'est comme gainage, vous travaillez tout, les épaules restent larges. Encore 3. Gardez le bas du ventre bien actif. Sous les fessières. La dernière fois. Et relâchez, poussez les fessiers vers l'arrière.
Le bras à l'avant, inspirez. En soufflant, articulez la colonne vertébrale. Encore deux fois. Étirez loin, loin, loin devant le dos plat. Inspirez, soufflez derrière. C'est la dernière fois. Poussez loin devant. Et déroulez la colonne. Tournez-vous. Face à moi, le ballon sous les côtés. Montez le bras gauche. Appuyez la main droite sur le ballon et inclinez up and over par-dessus la taille. Revenez. Encore trois. Cherchez flexion latérale de la colonne vertébrale. Étirez la tête pour passer par-dessus. Quand vous inclinez à droite, poussez le genou gauche au sol. C'est la dernière fois. Inspirez et soufflez. Revenez. Changez de côté. Pressez les tibias au sol et inclinez. Ouvrez la taille, revenez. Inspirez et soufflez, revenez. Encore deux. Et la dernière fois. Et revenez vers le milieu. Baissez les bras. Posez le ventre sur le ballon. Le main et le sol touchent les tapis, à peu près large du tapis. Baissez les épaules, le dos est parfaitement plat. Creusez le ventre. Imaginez-vous, vous avez une tasse de café posée sur les sacrums, ça reste stable. Inspirez en soufflant, sans rien d'autre bouger, levez le bras droit. Baissez le bras, inspirez, swing. L'autre bras. Baissez, droite. Et gauche, la dernière fois. Puis lève la jambe gauche. Étirez la jambe pour monter la jambe. Posez la jambe. Encore. Lève, cherchez, étirez la jambe. Gardez votre tasse de café. La jambe gauche et le bras droit. Cherchez auto-grandir. Si c'est impossible, stabilisez le buste. Peut-être vous avez besoin de changer un peu votre placement sur le ballon. Peut-être un peu plus avancé ou reculé. Pas facile de stabiliser dans cette position-là. Gardez le bas du dos long. Étirez encore une fois. De chaque côté. La dernière fois. Baissez. Et relâchez. Détendez le dos. Détendez les jambes. Et posez les genoux au sol. Attrapez le ballon, placez le ventre, pilates, donc les talons ensemble. Le bras le long du corps, ouvrez les clavicules. On se place au bout du tapis, ça va être plus facile à avoir. Inspirez et en soufflant, enroulez la colonne. Roulez le ballon et placez-vous en position de gainage. Baissez les bras, allongez la colonne vertébrale, encore une fois. Et baissez les bras.
Et à la prochaine. Bonne journée.